Par la situation. Et c'est une scène, est-ce que c'est difficile? Oui, y a, comme ça, quand parfois on lit un scénario, il y a des obstacles, des scènes très particulières, que ce soit une scène d'amour, une scène de fou rire, ce qui est absolument sincère, sinon ça ne fonctionne pas, c'est binaire, il n'y a pas de gris là-dedans, c'est blanc ou noir. Et donc pour cette scène, en fait, il ne faut pas que ce soit particulier, justement, il faut se débarrasser de tout ça. C'est un huis clos qui dit huis clos, qui décommunique sept personnages. Des conditions de tournage qui demandent de la discipline, de la concentration, un casse-tête permanent de raccord, tant pour les acteurs que pour le réalisateur. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile à faire qu'un film traditionnel? Je pense qu'il n'y avait pas sur le film. Je vais vous dire les deux. Ce qui est difficile, c'est que du matin au soir, vous passez du temps à raccord. Lundi 22 octobre, 16h42. Autoroute A4 en direction de Strasbourg, ça bouchonne dans les deux sens. Beaucoup de camions. Et qu'est-ce qui changerait avec le grand contournement ouest? Autant de bouchons, sinon plus, sur la A4 entre autres, et un nombre encore plus grand de camions en transit depuis le nord de l'Europe jusqu'au sud, qui pollueraient le Korosberg au lieu de polluer l'A35 qui passe en plein Strasbourg. Où est l'avantage ?